Hébreux 12, 14, on connaît ce passage-là, n'est-ce pas? Tu as levé la main là-bas? Oui, non? Hébreux 12, 14 dit quoi? Hebrews 12 and 14 says, on va juste lire ce passage. We're just going to read this passage. Hébreux 12, 14, on le connaît hein, ce passage. Hein? Hebrews 12 and 14, we all know that passage. Recherchez la paix avec qui? Avec tous. Pursue peace with all people. Et la sanctification. And holiness. Pursue peace with all people and holiness. Alléluia. Recherchez la paix avec tous. Pursue peace with all people. On va d'abord parler de la paix avec Dieu. We'll first of all talk about peace with God. Parce que vous ne pouvez pas être en paix avec vous-même. Because you can't be at peace with yourself. Si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu. If you were not at peace with God. Amen. Donc Dieu nous donne un ordre. So God gives us an order here. Recherchez la paix. A command. Seek avec tous. Peace. With all people. Mais dans le tout, cela, comme vous le savez, il y a d'abord Dieu. But in all people, it includes also God. Il y a la paix avec Dieu, il y a There's la paix avec soi-même. With God, peace with la paix avec oneself, les autres. And peace with others. La paix avec ceux et celles qui procurent la paix. Peace with those who produce peace. Mais comment voulez-vous être en paix avec vous-même? But how do you want to be at peace with yourself? Si vous n'êtes pas en paix avec celui qui vous a créé. If you're not at peace with the one who created you. Il y a beaucoup de gens qui marchent dans ce monde. There are many people who are walking qui this sont word, ennemis de Dieu. And, but we are walking as enemy of God. Ils sont, n'est-ce pas, en conflit avec Dieu. They are in conflicts with God. Et ce qui nous met en conflit avec le Seigneur, and what puts us in a conflict bien sûr, c'est le péché. With God is, of course, sin. What puts us in a conflictual position with the Lord is sin. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas être dans la sanctification, we can't be in sanctification, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu. If you are not at peace with God. C'est pour cela que l'auteur commence par parler de la paix avec Dieu. Recherchez la paix avec tous, d'abord avec Dieu. The author says that we should seek peace with all people, starting with God. Pourquoi il faut la paix avant de se sanctifier? Why peace before sanctifying ourselves? Parce que comme vous le savez, à cause du péché, because of sin, à cause du péché, because of sin, ben, l'homme est en conflit avec Dieu. Man is in a conflictual situation with God. Alléluia. In a conflictual, conflictual position with Quand God. Quand on parle du péché, on voit seulement l'impudicité. When we talk about sin, we often think about la immorality, disobedience. La désobéissance est un péché. Disobedience is a sin. Alléluia. La sorcellerie, witchcraft, l'incrédulité, unbelief, le mensonge, lies. Comme je le disais tout à l'heure, on fait une réunion, on annonce qu'il ne faut pas enregistrer, quelqu'un enregistre et envoie l'enregistrement quelque part. As I said earlier, we're having a program. C'est un péché. Say, do not record, but people be recording and send the record out. This is disobedience. This is a sin. Quelqu'un disait tout à l'heure, Samuel disait de la part du Seigneur, je crois que c'est Samuel ou c'est mon frère Raphaël, je ne sais plus, que il n'y a que de mauvaises nouvelles aujourd'hui. A brother was preaching earlier today that it's all about bad news today. Cancer ici, cancer sida here, là-bas, AIDS there, accident par ici, par ici, car crash here, mort là-bas, death there, AVC ici. Il n'y a que here. Des mauvaises nouvelles it's aujourd'hui. Only about bad news today. Je vous dis, il y a une croissance, un nombre très très grand de personnes atteintes par diverses maladies, l'AVC, AVC, sida, cancer, Ebola, tout ce que vous voulez. There's a growth or diseases today, sick people, Ebola, AIDS, HIV, and yada, yada, yada. Nous sommes une génération atteinte par toutes sortes de maladies. We are a generation that is touched by all types of diseases. Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi? So now why? Mais parce que beaucoup n'ont pas la paix. Beaucoup n'ont pas fait la paix avec Dieu. Because the people haven't made peace with God. La paix. Peace. Vous savez, beaucoup sont troublés. You know, many people are troubled. Beaucoup sont troublés par les mauvaises nouvelles. Many are troubled by bad news. Il y a des gens qui font qui piquent des crises cardiaques, qui font des AVC parce qu'ils reçoivent, ils entendent de mauvaises nouvelles. Many people they are having strokes
Because they hear bad news. Quand vous regardez les gens aujourd'hui, when you look around, regardez leur manière de s'habiller, the way they dress, vous allez vous apercevoir qu'ils ont des problèmes. You realize that they have vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. They are not at peace with themselves. La paix avec soi-même, c'est quoi? The peace with oneself, c'est l'assurance. Is the assurance. Être dans l'assurance. To be assured. Être persuadé que Dieu est ton Dieu. To be convinced that God is your father. Vous avez vu le nombre de chrétiens qui ont peur de la mort? Do you see how many Christian people are afraid of death? Regardez comment les gens font tout pour plaire. Look how people do everything to be pleasant. Ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. They are not at peace with themselves. Il y en a. Some. Quand ils ont un peu d'argent, when they have a little money, vous allez voir qu'ils sont tout excités. See, they get all excited. Ils n'ont pas de paix. They are not at peace. Ils ne sont pas en paix. They are not at peace. La présence de l'argent dans leur maison les excite. Owning money excites them. Est-ce que vous comprenez? D'autres personnes, other people, quand elles sont en face d'une autorité, when they are in the presence of an authority, elles perdent le contrôle. They lose control. D'autres encore, others, quand ils sont en face des prédicateurs, when they are in the presence of preachers, ils perdent le contrôle. They lose control. C'est un problème de paix, c'est un manque de paix personnelle. It's a lack of peace, of personal peace. Alléluia. Le fait de céder face à une femme, giving up, giving in to a woman, le fait de céder face à une situation donnée, giving in to a certain situation, fait que les gens, hein, prouvent que tu n'as pas la paix. Proves that people are not at peace. Alléluia. Vous voulez que je continue? You want me to speak on? Quelles sont les situations, les choses qui te font perdre ta paix? What are the situations that causes you to lose your peace? Oh Dieu, la paix. Peace. L'assurance. Assurance. La fermeté. Firmness. La constante. La constance. Constancy. Consistency. Beaucoup sont troublés. Many people are troubled. Une mauvaise nouvelle d'un médecin, les gens sont troublés. A bad news from a doctor, people are troubled. Vous savez, beaucoup meurent non à cause de maladies, mais à cause des soucis. Many people die nowadays not because of disease but issues. Beaucoup sont malades, c'est vrai. Many are sick. Mais ils vont mourir plus tôt que prévu. But they will die earlier than expected. Simplement parce que leur médecin leur donne de mauvaises nouvelles. Only because their doctors give them bad news. Soyons sincères. Let's be honest. Quand on a l'argent. When we have money. Quand on reçoit de l'argent. When we receive money. Comment on se comporte? How do we behave? Vous allez vous apercevoir que beaucoup ont un problème avec la paix personnelle. You realize that many people have a problem with personal peace. Il faut qu'ils sortent. As soon as they walk out. Vrai ou faux? True or wrong? Qui est un tout petit peu comme ça? Who has a problem like that? Quand on reçoit son salaire, where we get paid, comment when we receive se the comporte? Paycheck, what is our behavior? Regardez. Look. Vous avez vu les gens qui ont gagné au loto? See the people who win what lottery? Comment ils sont détruits? How destroyed they are? Voilà. Ils reçoivent beaucoup d'argent. They receive a lot of money. Et ils perdent le contrôle. And they lose control. La perte du contrôle, the loss of control, n'est-ce pas, est la conséquence de l'absence de la paix. Is the consequence of the lack of personal peace. Face à une belle femme, when you in the presence of a beautiful woman, comment tu te comportes? Do you gain control? Face how do you behave? À un homme beau, comment tu te comportes? In the presence of a good-looking man, how do you behave? Alléluia! Oh Dieu, sauve-nous! Oh Lord, save us! Recherchez la paix. Seek peace with all people. Avec tous là, c'est d'abord Dieu. All people, like I said, composes God first, but also yourself. Parce que tu peux être troublé avec toi-même. Tu peux être en conflit avec toi-même. Because you may be troubled with yourself. Ça s'appelle la schizophrénie. It's called schizophrenia. Vous voulez que je parle? Do you want me to speak on? Quelqu'un qui est obligé de mettre des produits à outrance. La personne a un problème avec la paix. Someone who is always putting a lot of products on his face. This person has a lot of has an issue with peace. Alléluia. Alléluia. Vous voulez que je parle? You want me to speak on? Recherchez la paix avec seek tous. Peace with all people. Si vous épousez une femme, if you marry a woman, qui n'a pas la paix personnelle, who is lacking personal peace, vous allez avoir des troubles dans votre foyer. You will have troubles in your household. Beaucoup de gens ont épousé des troubles. Many people have married troubles. Vous voulez que je parle? Do you want me to speak? Alléluia.
Quelqu'un qui est blessé. Someone who's hurt. Quelqu'un qui est blessé depuis son enfance. Someone who has been hurt from their childhood. C'est une personne qui n'a pas de paix. It's someone who's lacking peace. Elle peut être belle. Could be beautiful. Mais le cœur est blessé. But the heart is hurt. Épousez-la. If you marry this person, souffrir. You'll be in trouble. Pour vous. It'll be a cavity in your mouth. Il y a des couples. There are couples où la femme est obligée de sortir pour rentrer tard une fois que le mari s'est endormi. There are couples where the woman has to get home very late only when the husband is asleep. Il y a des couples. There are couples où le mari rentre tard en attendant que sa femme dorme. Where the husband wait for his wife to turn in, to walk in. Il y a même des enfants qui vont jusqu'à souhaiter la séparation de leurs parents. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il n'y a plus la paix dans le foyer. There even are children that are hoping for the parents' divorce because they see the hurt in their household. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, if you're not at peace with yourself, tu vas être très soupçonneux. You will be always suspicious. Quand les gens vont parler entre eux, when people will have conversation, tu vas croire qu'ils sont en train de médire sur toi. You will always be thinking that people are slandering you. Alléluia. Alléluia. Vous voulez que je parle? Do you want me to speak on? Quand tu vois quelqu'un se parler avec quelqu'un d'autre, tu dis non, certainement il parle sur moi. When you see two people having conversation, you'll say certainly those people are talking about me. Qui s'aperçoit qu'il n'est pas en paix avec lui-même? Who realizes that they are not in peace? Levez les mains, s'il vous plaît. Raise your hands, please. Don't be ashamed. Ah, il faut une guérison. So you need healing is needed. Alléluia. Alléluia. Celui qui n'est pas en paix avec lui-même, whoever is not at peace with himself, il ne va pas s'accepter tel qu'il est. He's not going to accept himself as he is. Mettre des rajouts sur rajouts. Always putting extra stuff on. Qu'est-ce qui t'arrive? What is going on with you? Tu n'es pas en paix avec toi-même. You're not at peace with yourself. La Bible dit. The Bible says. Dieu dit dans la Bible. Contentez-vous de ce que vous avez. Be content with what you own. Mais quand toi tu n'as plus rien. However, when you comment tu te comportes? Own nothing. What is your behavior? Je parle. Do you want me to speak? Alléluia. On? Amen. Praise God. Regarde. Look. Si chaque mois. If every month tu reçois 1000 euros, you receive 1,000 euros. Et qu'un mois arrive où tu ne reçois rien. And then it happens that one month you make no money. What will your behavior be? Si tu es en panique. If you panic, c'est que tu n'es pas en paix avec toi-même. It means that you are not at peace with yourself. Qui pense qu'il a un problème? Who thinks that they have a problem? Alléluia. Alléluia. Vous voulez que je parle ou pas? Do you want me to speak on? Qui s'aperçoit que vraiment il y a des problèmes avec lui-même? Who realizes that they have a problem with themselves? Seigneur, sauve-nous. God save us. Alléluia. Alléluia. Frères, écoutez très bien. Brothers and sisters, listen up. Recherchez la paix avec eux. Seek peace with all people. Comment veux-tu être en paix avec l'autre si tu n'es pas en paix avec toi-même? How do you want to be at peace with other people when you're not at peace with yourself? Déjà le fait d'être même quand tu es seul, tu te crées des problèmes. First off, when you are on your own, you are creating troubles. Maintenant quand tu vas être avec les autres, comment ça va se passer? But what is going to happen when you get tout with people? Tout le monde sait que quand tu arrives, il y a des problèmes. Everybody knows that when you get there, troubles arrive. Encore elle. Oh. Ah, va, here she goes. Non, dis que je suis pas là. Dis que je suis pas là. Tell her I'm not here. Je ne veux pas la voir pour éviter les problèmes. I don't want to see her to prevent to have Alléluia! The troubles. Alléluia! Qui pense qu'il a un problème Who avec lui-même? Who thinks they have a problem themselves? Alléluia! Alléluia! Praise God. Ben ouais, parce que tu as des problèmes avec toi-même. Alléluia! La preuve, regarde, t'as parlé alors que tu aurais pu lever la main. Donc le Seigneur va t'aider comme tu lui demandes de l'aide. Alléluia, gloire à Dieu. Quand on a des problèmes avec soi-même, on a du mal à gérer sa langue. When we have problems with ourselves, we have a hard time to handle our tongue. It just blurts out. You just blurt out. Celui qui est en paix avec lui-même a le contrôle de sa langue. Whoever has peace with himself has full control of his tongue. Mm-hmm. Quand tu ouvres ta bouche à la maison, tout le monde se cache. When you open your mouth at home, everybody hides away. Quand tu te mets en colère, tes enfants se sauvent. When you get angry, your children run off. Qui s'aperçoit qu'il a des problèmes avec lui-même? Who realizes they have problems with themselves? Ton mari, il est éteint à cause de toi. Oh, your husband is shut down. Il ne parle plus pour éviter les problèmes. He doesn't talk anymore to avoid problems. Oh, Seigneur, sauve-nous. Lord, save us. Recherchez la paix avec eux. Seek peace with all people.
Dis à ton voisin, je veux rechercher la paix avec moi-même. Tell your neighbor, I want to seek peace with myself. Mais pour rechercher la paix avec soi-même, il faut connaître son identité. But in order to, qui tu es? To be at peace with oneself, it's important to know your identity, who you are. Pour savoir que tu as un problème, in order to know that you have an issue, entre dans ta salle de bain. Walk in your bathroom. Regarde tous les produits que tu as. Look all the different products that you have. Vous voulez que je parle? Do you want me to speak on? Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Dis à ton voisin, il va parler. Tell your neighbor, he will speak on. Qu'est-ce que tu as emprunté? What have you borrowed? Produit éclaircissant ici. A bleaching product here. Produit qui change le visage là. Product that cheveux changes blancs your face. Ici, cheveux marrons là. Blonde hair. Alléluia. Là, c'est sur l'apparence. Maintenant, quand on va à l'intérieur, oh, but if we go deeper, oh my God. Tout le monde se dit, celle-là, faut pas l'épouser. Everybody think to themselves, this one can't be married. Pour l'épouser, if you want to marry her, il faut être milliardaire. You must have a parce qu'il y a que l'argent qui peut la gérer. You have to be billionaire because it's only Alléluia. Money that can get a hold of her. Tu as des tell problèmes. Your neighbor you have problems. Dis à ton voisin, on va parler. Tell your neighbor, we'll talk. Dis à ton voisin, maintenant qu'on a confessé, ça va parler. Tell your neighbor, now that we've confessed, we Alléluia. Will talk. Alléluia. 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 Tu veux savoir que tu veux savoir si tu as des problèmes toi-même? You want to know whether you have problems with yourself? Regarde tes talons là. Look at your heels. Tu n'es pas content d'accord avec ta taille. You're not happy with your height. Tu vas aller grimper jusqu'où? You want to climb up. Alléluia. Praise God. Bâtissons-nous une tour dont le sommet touchera au ciel. Let's build a tower for ourselves, which top will reach the sky. Dis à ton voisin, on va parler. Tell your neighbor, we'll on talk. On va parler. Tell your neighbor, we'll on talk. On va parler. We'll talk. On va parler. Tell your neighbor, we'll talk. Alléluia. En fait, pour vous dire la vérité, comme d'habitude, j'avais prévu de parler comme ça. On a beaucoup de problèmes. We have many issues. Il y a des frères qui regrettent d'avoir épousé les sœurs. There are some brothers who regret to have married some mais c'est trop tard. Sisters, but it's too late. Il y a des sœurs qui regrettent d'avoir épousé certains there are frères. There are sisters that regret to have married some brothers. Le frère disait quand il le monsieur tout à l'heure il disait quand il buvait quand il boit il devient un autre personnage, vous voyez, non? The man said earlier that whenever he would drink alcohol, he would become another person. Rechercher la paix avec tous. Seek peace with all people. Et ensuite la sanctification. And holiness. Une fois qu'on a fait la paix avec Dieu, as soon as you are at peace with God, eh ben Dieu peut nous, par sa présence, sa sainteté, Dieu, n'est-ce pas, peut nous façonner, nous communiquer sa sainteté. God can communicate his holiness. He can on shape us through his presence. On ne peut pas se sanctifier. We can sanctify ourselves. Si on n'est pas en paix avec Dieu. Unless we're at peace with God. Parce que la sanctification. Because holiness. Vient de Dieu. Comes from God. C'est Dieu qui nous libère du péché. It is God who sets us free c'est from sin. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. It is the blood of Jesus that purifies us. Hallelujah. Hallelujah. Donc il faut d'abord faire la paix avec lui. So there should be, we should be at peace with him first. On ne peut pas être en paix avec soi-même. We can't be at peace with with ourselves. Si on n'a pas fait la paix avec Dieu. If we haven't first made peace with Hallelujah. God. Frère, il fut tentant. Brothers, there's been a time où j'étais impressionné par les gens de ce monde, les grands de ce monde. When I was impressed by the great people of this world. Mais un jour, Dieu m'a fait comprendre. And one day, the Lord got me qu'il n'était rien. To understand that they are nothing. Rien. Nothing. Qui es-tu? Who are you? L'argent. Money. Vous avez vu comment l'argent dirige beaucoup de gens? See how money l'argent. Leads many people today. L'argent. Money. L'argent. Money. On nous a fait croire qu'on ne peut pas vivre sans l'argent. That we can't live without money. Vous savez qu'il y a des tribus dans certains pays qui n'ont même pas de banque, qui sont dans leur village où il n'y a même pas l'argent monnaie. You know, there are some people around the world who, in which, ils vivent de quoi? There's no money, they don't have any bank. De la terre. They live off of, de l'élevage. The earth, vous voyez? Right. Agriculture. L'élevage. Agriculture. 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 Non. C'est not cheap. Non, non, on a quand même. L'élevage. L'élevage, ça c'est. Oh, tending. Yeah. Tending. Alléluia. Right. Gloire à Dieu. Ouais, ça passe.
L'esprit à moi atteste. On acclame le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs. Brothers and sisters. Oh Dieu, sauve-nous. Lord save us. Dieu sauve-nous. Lord save us. Beaucoup d'agitation. A lot of agitation. On m'a dit tout à l'heure qu'il y a un quartier en Centrafrique où il ne faut pas y aller. Vous voyez, il n'y a pas la paix. I was told earlier that there's a district in Central Republic of Africa France où il faut pas y aller. We shouldn't go. There are some ghettos in France where we shouldn't go. Ah. See, there's no peace. Même la police, il y a des quartiers où la police n'y va pas. Even there are some districts absence in France de la paix. Where police don't even go. Why? Because there's the lack of peace. Il y a des églises quand vous rentrez au centre qu'il n'y a pas la paix. There are churches when you walk in, you feel there's comme no peace. Tout à l'heure, vous voyez, pas la paix. As earlier, there were no peace. Le péché, le péché, le péché. Le Seigneur dit, repentez-vous. Repentez-vous d'abord. Repent first. Vous voyez, tout ce qui sort, et encore là, c'est pas tout. All of the stuff that came out, and also, it's not done yet. Peace. Frères et sœurs. Brothers and sisters. Regardez comment notre génération nous a tués, nous détruits. See how our generation is killing us. L'amour de l'argent. Love of money. Les gens pensent qu'ils n'ont pas, ils sont stressés. Because they don't own money, people are stressed. Stress. Le stress. Anxiety. Ça tue. Kills. Voyez. Vous savez beaucoup de riches. Many rich people. Quand ils perdent tout, vous savez, ils meurent de quoi? When they lose it all. Ils meurent des soucis à cause des soucis. They die of issues. Parce qu'ils ne sont pas en paix. Because they are Parce que c'est l'argent qui leur apportait une certaine paix. Mais en fait, ce n'était pas la vraie paix. Because money would bring us some type of Pourquoi? Peace, but it wasn't actual peace. Pourquoi les gens s'entretuent aujourd'hui? Why do people kill each other today? Tous ces meurtres, tous ces tueries dans ces esclavagistes qui vendent leurs semblables. Pourquoi? The all this slavery going on. Why? Because there's a lack of peace. Alléluia. Vous avez des gens qui veulent se sanctifier. There are people who want to sanctify themselves. Mais ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. But they haven't made peace with God. Comment fait-on la paix avec Dieu? How do we make peace with Il faut God? Reconnaître son état. You need to realize your state. Il faut confesser son péché. You need to confess your sin. Il ne faut pas avoir honte de confesser son péché. You shouldn't be ashamed of confessing your sin. Une fois que la relation entre toi et Dieu est restaurée, as soon as the communication, the fellowship with God is restored, et là, sa vie va couler en toi. Now his life will flow within you. La vie de Dieu the life of God va provoquer en toi, va apporter en toi la vie. Will trigger within your life. La vie de Dieu va engloutir la mort. Will engulf death. Et là, tu vas être en paix. And then you will be at peace. Même si tu n'as pas. Even if you don't own anything, you will be at peace. Même si tu es malade. Even if you're sick. Tu n'iras pas courir après les hommes à gauche à droite you parce won't que tu run sais after que men left Dieu and right est Dieu. Because you know God is God. Alléluia. Praise la God. Paix. Peace. La paix. Peace. La paix de Dieu Peace of God nous donne à rentrer dans notre identité. Gets us to get into our identity. La paix. Peace. Regardez. Look. Je vais finir bientôt. Vous avez vu le nombre de I'm riches done. See how many rich people around the world? Beaucoup de riches ne dorment pas. Many rich people don't have Toi, don't tu sleep dors. At night. You sleep Beaucoup at night. Là, ils dorment pas. Many people don't sleep Regardez. At night. Look. Ils ont des gardes-corps. They have bodyguards. Armés jusqu'aux dents. Ils ont des voitures blindées souvent. They have reinforced cars. Ils ont des coffres forts. They have safe. Ils ont des alarmes. They have safe boxes. Les derniers alarms. Les derniers cris d'alarme. State of the art alarms. Vous avez vu? See? Mais malgré tout ça. And despite all that. Ils ne dorment pas. They still don't sleep at night. Parce qu'ils savent à tout moment. Because they know that at any on time. On peut les tuer. They can get killed. La plupart des présidents. Vous avez vu comment ils vieillissent facilement? You know how aging they Vous avez are, vu Monsieur Obama comment aging. Il a vieilli après? Ils ne dorment pas. They don't sleep at Surtout night. En Afrique, les présidents, il n'y a pas Especially un président africain qui dort. The presidents in Africa, there's not one that Je vous dis la vérité. I'm speaking the truth right Alléluia. Praise Laissez God. Moi vous dire la vérité. Ils Let ne dorment the pas. They don't sleep at night. Les généraux, là, ils ne dorment the pas. General, they don't sleep at night. Alléluia. Praise God. Parce que vous savez pourquoi. You know why? Parce que n'importe qui peut les tuer. Because whoever, just anybody can kill them. Vous savez quand est-ce qu'ils dorment un peu? You know when they sleep C'est souvent a la bit. Journée. Often the day when they take naps. Un homme politique est venu me voir il y a quelques jours, il m'a dit, a politician came notre président, to me not long ago, il dit, me, le président de leur pays dort sur le toit d'un immeuble. He told me the president of our country sleeps on the roof of a building. Ils ne dorment pas. They don't, ils they ont don't des milliards. They own millions. Ils ont billions. Des cancers de prostate, ils portent des couches, il y en a. They have prostate cancer. Alléluia. Some of them are wearing diapers. Vous voulez que je parle, frères et sœurs? Do you want me to speak on brothers and sisters?
Vous pourquoi ils dorment pas? You know why they don't sleep? Parce qu'ils sont entourés de sorciers. Because they are surrounded by sorcellerie sur sorcellerie. Witchcraft upon witchcraft. Vous trouvez normal qu'un grand général aille danser sur une tombe? Do you find it normal for a great general to go dance pas! On the tomb? Hallelujah! They don't sleep, brothers. Vous voulez champagne? You want me to speak on? On va envoyer une vidéo, un grand général d'un pays, sur la tombe de son cousin, un grand père. Il was en train de danser. He was dancing on the tomb of his cousin. Pure witchcraft, pure utter witchcraft. Vous avez vu? See that? Regarde comment mon ami, regarde comment ils n'ont pas la paix. Look how, how much they're lacking peace. Si on ouvre ce cercueil là, if you open that coffin, on va voir un squelette comme ça. You'll see a skeleton. Même le squelette, il doit Even se dire, mais qu'est-ce qu'il nous cherche? We'll be thinking, what is wrong with me? Hallelujah! Praise God. Pourquoi? Why? Pour chercher la protection. He was looking for protection. Pour chercher la protection. In order to find protection. Mais toi, tu vas pas sur, tu vas pas dans le cimetière. Toi, tu pries Jésus, je te confie mon âme, tu rentres. You don't go to cemetery. You just and confine your life to Jesus and you're done. Hallelujah! Non, Dieu est trop fort. God is powerful. Regardez. Look. Vous avez vu en France? In France. L'ancien président sur un scooter à 20h. The old president on a, upon a bike. Sans garde-corps. A scooter at 8 p.m. Mais toi, t'as la paix. But you are at peace. Eux, ils n'ont pas la paix. They're not at peace. Ne cherche pas à avoir ce qu'eux, ils ont. Don't be trying to get what they have. Ça ne le rend pas heureux. It is not making them happy. Hallelujah! Praise Regardez. God. Look. Un marabout à Château Rouge. A witch doctor in Château Rouge. Il vient du Sénégal. Coming from Senegal. Il est moche. He is ugly. Je ne dis pas que tous ceux qui viennent du Sénégal ou d'Afrique sont moches. I'm not saying that all those who came Je dis ce from marabout ugly. Là particulièrement I'm just saying est moche. This particular witch il lui manque is toutes ugly. Les dents. He's missing all of his teeth. Il est dans un appartement où il n'y a pas d'eau. He is living in an apartment building il a des cafards no partout. There are roaches all over. Il est pauvre. He's poor. Et puis vous allez voir un ministre aller sonner à sa porte ringing the doorbell pour chercher quoi? To find what? Pour avoir la protection. To find protection. Alors que ce monsieur ne peut même pas se protéger des cafards. When that man can't even protect himself Alléluia! From cockroaches. Alléluia! Dis à ton voisin, je veux parler. Tell your neighbor, I will speak on. Amen. Il sonne, bing, bing. He rings the doorbell. Le voyant pose la question, c'est qui? Now the witch doctor says, Mais who si is était it? Voyant, But il aurait if he was voir. A witch doctor, he should have been able Hallelujah! To see who he was. Seul Jésus voit. Jesus alone sees. Seul Jésus voit. Jesus alone sees. Hallelujah! Praise God. Voilà, le ministre, il va rentrer. Now the minister walks in. Il va s'asseoir devant les statuettes. And he sits down right in front, across from the statues. On va lui donner de l'encens. He was given incense. Il va commencer à faire des prières. And he will start praying. Mais c'est un grand ministre. And it's, I'm talking about the great On va lui donner here. Un petit fil attaché hein, will, autour de la taille. He will be given a little thread pour être to protégé. His waist in order to be protected. Un fil cousu par, n'est-ce pas, les enfants là-bas au Sri Lanka, comment on appelle le pays là? Thailand. En Thaïlande. A little thread sewn by the children in Thailand. Le ministre, il est tout content avec son fil protecteur. The minister, this minister is very happy with this. Il met une belle ceinture threads. Par-dessus une belle ceinture, il sème l'orage, je sais pas quoi là. Upon which he is putting a beautiful and very luxurious Mais en dessous de la belt. Ceinture, il y a un fil. But under the belt, there is this thread. Alléluia! Costard et cravate, il est tout fier. A suit and tie is happy. Mais s'il se déshabille, vous allez voir un petit fil comme ça. But if he gets undressed, you'll see that little thread around his waist. Pour protéger les populations. Vous vous rendez compte de l'idée aussi. Do you realize how stupid this is? La paix avec Dieu. Peace with God. Alléluia. Praise God. On voit un oiseau arriver, le président Trump. You see a bird coming in. Monsieur le président, c'est qu'un corbeau. The minister is shaking. Toi, tu vois un corbeau. Bah lui, il voit le ministre des Affaires étrangères. Alléluia. You say it's just a bird, but the man says something else. Toi, tu manges normalement, non? You eat normally. Mais eux, pour manger, but them for ils ont des goûteurs. They have tasters. Qui doivent goûter d'abord. Who have to taste their food first. Oh, Dieu, sauve-nous. God save us. Tout est vanité. It is all vanity. Qui veut être sauvé? Who wants to be saved? Vous avez des chrétiens? See Christians? Un cafard qui sort. Le feu, le feu, a little cockroach passes by. Un cafard.
Fire, fire, même fire, le fire. Cafard, il doit s'arrêter pour dire, bah, attendez, sometimes il y a un problème quand même. Alléluia! Like, oh, problem. Dis à ton voisin, nous avons des problèmes. Tell your neighbor, we have issues. Et tous ces chrétiens qui ne font que des déclarations charnelles. And all those Christians who only make, je ne mourrai pas, je vivrai. I shall not die, I shall live. Vous savez pourquoi ils font ça? You know why they do that? Parce qu'ils ont entendu un bruit dans leur cuisine. Because they heard a noise in their kitchen. Je ne mourrai pas, night. Seigneur. I shall not die, Lord. Tu m'as promis la protection. You promised me protection. Oh Seigneur, sauve-nous. Promise protection. Dis à ton voisin, nous avons des problèmes. Tell your neighbor, we have issues. Bon. Qui veut être converti? Qui veut se convertir? Who wants to be converted? Qui veut être sauvé? Who wants to be saved? Qui veut avoir la paix avec Dieu? Who wants to be at peace with God? La paix du cœur. Peace of heart. Oh, l'âge avance. L'âge avance. I'm aging, I'm aging. Il y a toujours des chrétiens qui viennent, ma sœur. And there's always Christians coming, my sister. Mais tu te maries quand? Where, when are you getting married? La sœur souffre déjà à cause de ça. Sister is already suffering from that. On vient that, encore l'enfoncer. And you come and you weigh her down even more. Qui a déjà vu ça? Who has ever seen that before? Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui nous enlèvent la paix. Hein? See, there are many Christians who actually take away our own peace. Ma sœur, ça va? My sister, how are you? Oui, par la grâce de Dieu. Vous yes, êtes I'm okay. T'es sûr by que the tout grace va bien? You sure everything's all right? T'as grossi, hein? Oh, you got fat. Tu n'es pas enceinte? Aren't you pregnant? Ça va? Vous voulez que je parle? Do you want me to speak on? Chrétiens sorciers. Christians. But also sorcerer. Ça va, ma sœur? How are you, my sister? Ah, tout va bien. Everything's all right. T'as l'air triste. Hein? You look tired. You look sad. T'es sûr que ça va? Are you sure everything's all right? La paix. Peace. Il y en a qui parlent de la paix parce qu'ils ont la persécution. Some parce qu'ils sont persécutés. Some talk about peace because they're persecuted. Alors j'en peux plus. Je baisse les bras. I can't take it no more. I give up. I stop. Réjouissez-vous. Rejoice. La paix. Peace. La paix. Peace. Une des choses que Dieu nous donne quand on se convertit, c'est la paix. One of the things that the Lord gives us when we first tu n'as pas à manger, mais tu as la paix. Even if you don't have tu es malade, food, tu as la paix. You are at peace. Tu es seul, mais tu as la paix. You are lonely, but you are at peace. Tu pleures, mais you tu as la cry, paix. But you are at peace. Et même les gens du monde se disent, even people of this world are thinking, or she's getting logiquement, crazy. Il devait être abattu. Logically, she should be distraught. C'est ça, non? Right? Mais toi, non. But you, you're fine. Alléluia, amen. You're just sing. Alléluia, oh, amen. Tu as la paix. You're at peace. Ton mari t'a trompé. Tu your husband cheating on you. You're at peace. La paix. Peace. Plus de panique. No panic. Non. Garde la paix. Keep your peace. Qui a perdu la paix? Who lost peace? Ma sœur, mon frère, ma sœur, mon frère, jeune fille, ça va? Pourquoi tu as perdu la paix? Pourquoi? À cause des gens. Oh, ils t'ont beaucoup critiqué? Aussi, hein? Tu es baptisé, hein? Viens, on va prier pour toi. La paix. Peace. Quand on perd la paix, ben on fait des bêtises. You make mischief. On agit dans la précipitation. You act in a rush. Wow. You take wrong actions. Tu habites où? Where do you live? Hein? En Allemagne. In Germany. Wow. Dans quelle ville? Wow. Et tu es venu juste pour le programme? Oh là là. She came all the way from Germany just for the program. Wow. Et qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? What do you want the Lord to do to you? Enlever la tristesse. Remove sadness. La paix. Gain peace. Ah, tu cherches un mari aussi. Oh. Maybe bring my husband. Oh Seigneur, au nom de Yeshua, alléluia, une belle présence de Dieu. Oh, Jesus Christ, alléluia. Oh, magnifique Seigneur. C'est réglé. Dieu la délivre là. C'est réglé. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia, c'est réglé. Oh, Dieu a vu ses larmes. The Lord has seen. Vous avez vu? Her tears. See? C'est fini, c'est réglé. It's over and done. C'est réglé. Finished. It's finished. Et Dieu l'a rempli de sa paix. The Lord fills her up with Dieu dit, tu his es sa peace. Fille. The Lord sa fille. Says, you're my daughter. You're my daughter. You're my alléluia. Daughter. Tu es sa fille. You're my daughter. Il t'a mis à part depuis le sein de ta mère. He set you apart from your mother's la paix. Bosom. Womb. Your mother's womb. Quelqu'un a entendu une mauvaise nouvelle de son médecin et il a perdu la paix. Someone heard a bad news from their doctors and they lost peace. C'est qui? Who is it? Tu perds la paix. Viens.
Oh Seigneur, merci. C'est réglé. Alléluia. It's finished. It's done. Qu'est-ce que c'est quoi cette nouvelle là? What is that bad news? Oh, ils veulent enlever les trompes. They want to remove the fallopian tubes. Toi, tu veux garder bien sûr les trompes. But she wants to keep them. Oh, alléluia. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Oh Seigneur, merci. Lord, thank you. Oh, merci. Thank you, Lord. Que la mort s'en aille au nom de Yeshua. May death come out in the name of Jesus. Va refaire des examens. Amen. La paix. Peace. La paix. Peace. Wow. Tout va bien? Is everything all right? Alléluia. Tu es baptisé? Are you baptized? Oh, Dieu t'aime. God loves Alléluia. You. Gloire à Dieu. Praise God. Viens. On come forward. We'll pray for you. Tu es baptisé aussi, ma sœur? Are you baptized? Alléluia. Le Seigneur va suer tes larmes. The Lord will Alléluia. Wipe off your tears. Gloire à Dieu. In the name of Jesus. Le Seigneur a entendu, le Seigneur a vu. The Viens, Lord heard and the Lord saw. Come Gloire forward, I'll pray for you. Qui est condamné par la médecine? Who is condemned by doctors? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? What do you want for the Lord to do for you? Tu veux des enfants? Ton mari est où? She wants children. Il est au travail. Where's your husband? At work. Ah ben les enfants, il les a déjà donnés. Hein? The Lord has already given you children. Oui, c'est réglé ça. Oh, c'est bon, c'est réglé. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, What ma sœur? What do you want for the Lord to do for you? À pardonner. Wow. Ton mari t'a abandonné? Ok. Et il a refusé. Wow. Depuis, tu n'as pas la paix. Ouais. Wow. Vous pensez que Dieu peut la consoler là? Do you think the Lord is able alléluia, to restore her? Oh, alléluia. Sors! Au nom de Jésus. Quitte-la. Come out of her in the name of Jesus. Quitte-la. Au nom Come de Jésus. Out of her in Quitte. The name of voilà. Jesus. Come il y a quelque chose là qui sort là, qui remonte là, qui sort là. Right au nom de Yeshua, alléluia. Au nom de Jésus, on va prier pour elle là. We'll pray for her. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Gloire à Dieu. Oh, c'est réglé là au nom de Jésus de Nazareth. It's finished in the name of Jesus. Je l'ai vu pleurer. I saw her crying. Le Seigneur sait. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez qu'elle va se marier là, le Seigneur yeah, l'a bénie dans ce mariage là. The Lord is blessing her Nazareth, in the marriage in the name of Jesus. Oh Seigneur, merci. Jesus. Wow. Quelqu'un ici est beaucoup troublé. Someone beaucoup troublé. Is troubled. Beaucoup troublé. A lot. Au point où tu ne dors plus. To the point you don't sleep at night. Au point où tu perds même tes cheveux. You even lose your hair. À cause du stress. On account of anxiety. Le Seigneur est en train de la libérer là cette sœur là au nom de Jésus de Nazareth. Setting the sister free in the name of Jesus. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia, gloire à Dieu. Waouh, Seigneur, tu es magnifique. Lord, you are wonderful. Pendant que la sœur avance, quelqu'un d'autre a un problème d'estomac. Someone else has a stomach issue. À cause des brûlures d'estomac à cause des soucis. Heartburns. Mm. On account of, because des soucis of, par rapport anxiety, à ta fille, par rapport à ta fille. Daughter. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est la première fois que tu viens? Oh, tu es arrivé de la Guadeloupe. Tu es arrivé quand? Je suis arrivé samedi 24. Wow. Vous pensez que Dieu peut la restaurer là, you mes think amis? The Lord is able to restore oh, her. Dieu est vivant. Seigneur, merci pour God ma sœur là. Thank you, Lord, oh, for alléluia, my sister. Gloire à Dieu. Une belle onction sur sa vie là. Great anointing alléluia. Upon her life. Oh, alléluia, quelque chose Thank qui remonte là, qui sort. Something that's coming up. Wow. Une belle présence de Dieu là. Great presence of God. Dieu restaure. Thank you, Jesus. The Lord is restoring. Dieu guérit. Dieu the Lord is healing. Fait son œuvre. The Lord is doing his work. Alléluia, gloire à Dieu. Praise God. C'est magnifique. It's wonderful. Magnifique. Wonderful. Là, ça sort. It's coming out. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Sors de là. Come out. Voilà. Of here. Sors de là, démon. Come out. Quitte là. Quitte là. Come out. Quitte là. Come out. Je ne veux pas t'entendre. I don't want to hear you. Le démon me dit que c'est sa maison. The demon tells me, he's telling Il me dit que c'est sa maison. Je l'entends dans l'esprit. It's house. I can hear Sors it in the spirit. Come out of this body. Qui n'est plus ta maison. Which is no longer your house. Au nom de Jésus. In the name of Alléluia, Jesus. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci. Thank you, Jesus. Magnifique Seigneur. Thank you, Lord. Sylvain, Julien, venez prier pour cette femme-là. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est magnifique ça. This is wonderful. Oh, il y a quelque chose qui est accroché au dos d'une personne. Something that is clinging quelque chose on somebody's est accroché back. À ton dos. It's clinging on your back. Hein? T'as mal là? Are you oh, pain? Tu penses que Dieu peut te guérir là? You think the Lord is able to cure you? Jesus. Stand up. Holy God.
Viens, viens, viens. Come, 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 come. Jesus. Oh Seigneur, merci. Thank you, Jesus. Tu as mal depuis quand? How long have you been suffering from it? Depuis que tu es arrivé. Mais parce que quelqu'un qui est dans la sorcellerie t'a balancé une flèche. C'est réglé. Au nom de Jésus. Au nom de Nazareth. Alléluia. Bouge, bouge sur deux là. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Thank you, Jesus. Magnifique Seigneur. Thank you, Lord. Dieu est magnifique. God is wonderful. Wow. Quelqu'un au niveau de son genou. Someone. Ton genou te fait beaucoup souffrir. Has a painful knee. C'est toi? Viens. C'est réglé. Magnifique Seigneur. It's finished in the name of Jesus. Glory to God. Depuis combien de temps? How long have you been suffering from it? Quelques temps. It's been quite a wow. few. Wow. Pensez que Dieu peut la guérir là? You think the Lord is able to cure her? Jesus. Et de là. Oh, une belle onction là sur elle. Jesus. Wow. Et une belle présence de Dieu. Hein? There is a great presence of God. Wow. Ça va toi? Wow. Il y a une jeune sœur ici, tu sais. It's a young girl souffre, here. A young qui souffre beaucoup de douleurs, qui souffre de douleurs là au niveau de ses règles et c'est elle est fatiguée. She's been suffering from her period. Elle est painful fatiguée. Period. She's so tired. Elle est fatiguée. She's weary. Elle se plie en deux quand she's, elle a des règles. She's slumped over when she has her period. Et ça la fatigue. And she's very weary. Et le Seigneur veut la guérir. The Lord wants to cure her. Wow. C'est toi? Ah ben tu vois c'est. Wow, mais le Seigneur est vivant. Hein? The Lord is alive. Wow, ça va? Tu en souffres? Hein? Oui, le premier. Oh, alléluia. Mais le Seigneur t'aime beaucoup. Hein? Aidez-la. Oh, il y a une belle présence de Dieu sur elle. Là. Oh, c'est magnifique. Elle va beaucoup chanter. Il faut qu'elle chante, qu'elle apprenne à jouer d'un instrument là aussi là. She needs to learn how to hein? Play an instrument. On lui avait dit en Belgique. Hein? Oh, bah Dieu confirme. Ah ben c'est réglé. C'est réglé. Le genou là. Ah ben tu peux toucher encore ce genou là s'il te plaît. Voilà. Wow. Ça va? Tu veux confesser quelque chose? Oui parce que depuis 15 jours j'ai un démon de jalousie. Enfin ça paraît stupide. Un esprit de jalousie depuis 15 jours. Oui parce que bon ça fait quand même 33 ans que je suis avec mon épouse. Et puis ben, cet esprit de jalousie est sorti par rapport à une parole que ma femme m'a confessée, m'a D'accord. dit si je puis dire. Et sur le coup, je l'ai pris banalement parce que je me suis dit au bout de tant d'années, c'est banal quoi. Mm-hmm. Et en fait, ben, chaque soir, je ressentais ce démon qui rentre en moi. Hein. J'étais tranquille, puis d'un seul coup, vous voyez mon visage changer. Des fois, je l'ai dans la maison, je fais la vaisselle, quoi, comme tout homme doit faire. Je dirais, puis d'un seul coup, oh, je me mets à balancer tout. Puis, wow. Les paroles assez grossières commençaient à sortir et tout ça. Et puis, c'est vrai que dernièrement, par contre, le gros problème qui s'est passé, c'est que ma famille est venue s'occuper de ces choses-là. Ah ouais, et les normal. Choses de groupe, voilà. Et ça n'a fait qu'enflammer les choses. Et puis, ça m'a. En fait, ça fait qu'empirer. Et puis, voilà. On va prier pour lui. Donc, j'ai voulu. Amen. J'ai voulu confesser publiquement. C'est parce bien, que j'ai, bien. Par amour pour mon épouse, j'ai voulu qu'elle Amen. Le voit. Voilà. Amen. Elle est là, on peut se connecter oui, là, certainement. Oui, justement, j'ai confessé. Et ça me fait du bien. Amen. Ouais, je suis bah, content. Oui, merci beaucoup. Ah, ben, gloire à Dieu. Merci, ça bénit. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, on va prier pour lui. Hein. Ouais, Amen. Merci. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur. Merci pour mon frère. Là. Alléluia, gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci. Qu'il soit libéré de ce démon-là. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Sors! Oh, ça sort là. Ça sort. Ça sort, je vous dis, ça sort là. Ça sort là. Au nom de Jésus de Nazareth, là, ça sort là. Oh, alléluia, on va chasser cet esprit-là. Il y a une femme ici qui perd beaucoup de sang. There's a woman here who loses a lot of blood. Qui perd beaucoup de sang. She loses a lot of blood. C'est toi? Viens, on acclame le Seigneur pour. Come forward. Let's give the Lord a round of applause. Vous pensez que Dieu peut la guérir? You think the Lord is able to heal her? Tu as vu un médecin? Did you go to the doctors? Il t'a dit que c'était les fibromes. Tu penses que Dieu peut opérer les fibromes, l'enlever tout ça là? The physician told me it was fibroids. Wow, vous le croyez là? You think the Lord is able to heal her from the fibroids? Seigneur, merci. Thank you, Lord. Oh, nom de Jésus. In the name of Jesus. Oh, alléluia.
Seigneur, merci. Thank you, Lord. Ah ben c'est réglé. It's finished. On va faire des examens et viens témoigner pour la gloire du Seigneur. Go get checked up and come back to testify about the glory of God. La paix avec toi-même. Peace with yourself in the name of Jesus Christ of Nazareth. L'assurance. Assurance. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Alléluia. Cette oreille-là, quelqu'un, l'oreille droite. The right ear. Voilà. Someone. Voilà, il y a un bruit là, parfois là, ça te perturbe tout ça là. That alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur veut. The Lord déboucher wants to l'oreille, on acclame le Seigneur, vient, on acclame le Seigneur pour elle. C'est magnifique quand Dieu parle. It's wonderful when the Lord speaks with accuracy. Wow, c'est magnifique. It's wonderful. Oh, magnifique Seigneur. Wonderful God. Tu as un souci? Qui te fatigue, c'est quoi? Tu avais un souci? C'est bon. Au nom de Jésus. Ah, tu avais un souci? Seigneur, merci. Lord, thank you. Depuis quand tu as ce problème? How long have you been having this problem? Très longtemps. It's been a long time. Wow, vous pensez que Dieu peut faire you think the Lord is able to do something for her? T'es déjà venu ici? Have you come here? C'est la première fois? It's the first time here. Ta sœur. My sister invited me. Wow. Tu peux toucher cette oreille là? Can you touch this ear? Oh Seigneur, merci. Seigneur, Jesus. Touche ton oreille toi-même. Touch your one ear. Ah, merci. Wow. Il y a quelqu'un qui nous suit là. There's somebody that's watching us. Souffre d'un. Who's been suffering from. D'une sciatique. Sciatic. La personne peut nous appeler là. Il y a une guérison miraculeuse. There is a miraculous healing that's about to happen. This person has sciatic. Et cette oreille là, qu'est-ce qui se passe avec elle concrètement? Ouais. Tu es baptisé? Oui. Tu as des enfants? Oui. Tu es avec un homme? Tu es marié? Oui. Il est où ton mari? À la maison. Il n'est pas chrétien? Il est chrétien, mais non. Vous êtes en conflit. Et tu souffres, tu pleures, tu n'en peux plus. Oui. D'accord. Wow. Et tu veux que Dieu fasse quoi pour toi, pour ce mari, pour cet homme? What do you want the Lord to do for you? Peace at dispute. Home. Peace tu te mets en colère aussi? Beaucoup. Do you ever get angry? Ouais. A lot. Parce que t'en as marre. Because I'm sick and tired. Il est camerounais, il est d'où là, ce monsieur? Il est haïtien. Ok. Oh. Mais c'est bon, c'est réglé. It's finished. Dis à ton mari s'il peut venir, on va parler un peu avec elle, avec lui. Pardon. Ask your husband if he can come. Mais we'll talk with him. T'énerve plus. But as far as you're concerned, don't get angry. Dieu fera le reste. Keep your peace and the Lord will ma soeur, do the rest. Viens. Tu vas bien? Are you okay? Oh. Dieu t'aime beaucoup. God loves you. Dieu voit tes larmes. The Lord sees your tears. You're crying. Le Seigneur te dit ne pleure plus ma fille. The Lord is telling you don't cry my daughter. Elle pleure, she cries, she cries, she's tired. L'ennemi l'agresse, sa famille. The enemy is always assaulting her through her family. Oh, Dieu a vu. God saw. Jesus. Wow. C'est magnifique. Il y a comme un fleuve qui arrive. It's like a river. Comme un fleuve qui It's arrive. It's like a river. Alléluia. Oh, alléluia. C'est magnifique. Magnifique. It's wonderful. Magnifique. Wonderful. Magnifique. Magnifique. Viens. 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 Tu vois, le Seigneur te dit, c'est bon. C'est the réglé. Lord is saying it's finished. C'est réglé. It's finished. Lève ta main. Voici. Raise your hands. Elle va beaucoup chanter. Ses parents sont où? Wow, c'est ta fille. Elle a une grâce. Une perle. A pearl. Wow. Viens. Ton amour me touche. Oh, je ne peux devant toi. Elle joue d'un instrument pas encore. That she play, can mais she play faut la mettre sur la mettre parce qu'il y a un appel. That she oh, needs to learn how to play an instrument because she has a great grace upon her. Ton amour me touche, Seigneur. Ton esprit
Votre maison va être visitée puissamment par le Seigneur. Your household will be powerfully visited by the Lord. Attendez-vous à une visitation terrible dans la famille là. Expect a very powerful visitation in the household. Whoa. It'll be glorious. Il y a un fleuve. There's a river. Il y a un fleuve. A river. Un fleuve. A river. Qui vient visiter les enfants de Dieu. Which comes visit the children of God. Dieu. Whoa. Bien, bien. Jesus. Ton amour me touche. Jesus. Jesus. Alléluia. Yeah. Alléluia! Wow! Dieu essuie tes larmes. God wipes your tears. Dieu essuie tes larmes. God wipes your tears. Alléluia! Viens, viens, viens. Alléluia! Jesus. Oh! Et de là, c'est magnifique. Wow! C'est magnifique. It's wonderful. Magnifique. Wonderful. Magnifique. Magnifique. Wonderful. Magnifique. Wonderful. Jésus guérit tout ensemble. Wow. Viens, viens, viens. Jésus. Oh Seigneur. Je sais qu'elle va prêcher l'évangile. Jesus. Oh, et de là. Alléluia. Est-ce qu'on peut monter? Alléluia. Oh. Ah. On vient. Une onction de guérison, de miracle. Au nom de Jésus de Nazareth. Viens. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Maranatha. Seigneur, merci pour ta grâce. Lord, receive all the glory. Oh, Dieu voit tes larmes, tes larmes. Dieu voit tes larmes. Oh, Jésus revient. Oh, Seigneur, merci. Jesus, Jesus. Oh! Au nom de Jésus. Wow, Seigneur, merci. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Amen à moi, c'est là. Jésus guérit. Jésus guérit. Dieu a vu tes larmes et des larmes. The Lord saw your tears. Oh, Seigneur. Oh, il te guérit. Healing you. Il a guéri. Il a guéri. He's healing her. Wow. Seigneur, merci. Tu vas presser l'évangile avec une onction terrible. Aidez-le. C'est un prédicateur. It's a preacher. Alléluia. Yeah. Tu as beaucoup prophétisé. You prophesy your lives. Aidez-le. Wow. Jesus. Alléluia. Wow. Prends ton genou. Bouge-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Wow. C'est magnifique. Hosanna. Wow. Magnifique Seigneur. Wonderful Lord. Dieu t'appelle. God is calling you. Dieu t'appelle. God is calling you. Alléluia. Dieu t'appelle. Jesus. Wow. Seigneur, merci. C'est magnifique. Magnifique. Tu sais que Dieu t'aime beaucoup. You know the Lord loves you a lot. He loves you very much. Tu sais que tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur. You will sing a lot for the Lord. Magnifique, une belle présence de Dieu. There is a beautiful presence magnifique. Of God. Magnifique. 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 Bien. Wow. Comment ne pas t'adorer? Aidez-la. Amène-la. Amène-la moi. Wow. Wow. Dieu la oint. The Lord is anointing her. Dieu guérit chez vous. The Lord is healing you. Dieu délivre chez vous. In your places, the Lord is delivering in your places. Venez. Oh Seigneur, magnifique. Wonderful God.
ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? D'accord. Comment ne pas t'adorer, Jésus? D'accord. Elle est où? Tournez. Waouh, Seigneur, merci. Seigneur, je prie pour cet homme et cette femme, Seigneur. Lord, I pray Dieu. For this man and woman. Oh, que ta grâce, may your grace soit accordée. Be que granted la peur, to them. May fear leave her body right now. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Come out of this body right now. In the name of Jesus. Come out. In the name of Jesus. In the name of Jesus. It's coming out. It's coming out. Oh, hallelujah. Wow, ça sort là au nom de Jésus de Nazareth. C'est réglé. It is finished. It's finished. Wow. Regarde là où tu avais mal, touche là où tu avais mal. La douleur s'en va. Wherever you were, you were in pain. La douleur s'en va. The pain is subsiding. The pain is subsiding. Qui a reçu une guérison là? Qui a reçu une guérison? Who got healed? Who just got healed? Au nom de Jésus de Nazareth. Wow. Ça va? Je vais prier encore pour toi. Est-ce qu'on peut prendre sa fille? Wow, mal de dos. Quelqu'un ici, Dieu l'a guéri. Bad pains. Du dos. Someone got healed from bad pains. Alléluia, viens, viens. Move your back around. Wow, Seigneur, merci. Wow, Seigneur, magnifique. Seigneur, bénis ma soeur. Oh, alléluia. Magnifique. Jesus. Jesus. Wow. Seigneur, merci. Alors, c'est comment ton dos là? Depuis quand tu en souffres? How long have you been suffering from back pains? Tu étais hein, en arrêt la semaine dernière. Et là, tu as mal là? Je suis arrivé, j'avais mal. Tu es arrivé, tu avais mal? Et là, c'est comment? Tu es sûr que ça va? Oui. Tu as plus mal? Wow. You're not in pain anymore? Wow. Oh, Seigneur, merci. Aide-la. Wow, magnifique Seigneur. Ouais, Dieu guérit. Wonderful God, see, God heals. Wow, Seigneur, merci. Thank you, Jesus. Ça va toi? Viens, viens. Dieu t'habille en robe blanche. The Lord is dressing you in white. Wow. Avec une robe, avec une telle, un tel éclat. With such a radiant gown. Il va te surprendre. It will surprise you. Wow, Seigneur, bénis-la. Lord bless her. Magnifique Seigneur, Jesus. Magnifique Seigneur. Wonderful God. Oh, alléluia. Tu veux quelque chose? Tu avais mal aux jambes là? T'as tu fait ça? Bouge-les. Move your legs around. T'as du mal à marcher? You have a hard time to walk. Vous pensez que Dieu peut guérir you ces jambes? You think the Lord is able to heal your legs? Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jesus. Oh alléluia. Jésus est Seigneur, non? T'es sûr? Tu penses qu'il peut te guérir? Tu le crois? Tu crois cela? Au nom de Jésus? Allez, marche! Ah ben, tu le crois? Tu le crois? Lève-toi! Voilà! Stand up. Voilà! Jesus Christ! Allez, marche normalement! Là. Walk on in the name of Jesus! Allez, marche normalement! Là. We can walk in the name Allez. Of Jesus! Walk. Au nom de Jésus! In the name Jesus. Of Jesus, walk! Et l'alcool s'en va au nom de... And alcohol is departing in the name of Jesus! Oh, alléluia! Il y a une opération que Dieu fait là. There's a surgery that the Lord is doing. Oh, alléluia. C'est la première fois que tu viens ici? De Guyane. Tu viens de Guyane. First I'm here. Wow. I come from French Guyana. Wow. Elle souffrait. She used to. She was in pain. Ensemble. On y va. Let's go together. Ah, les gens souffrent. People are suffering. Allez, marche encore là-bas. Walk on in the name of Jesus. Wow. Elle. Ça va? Tout va bien? Is everything all right? Qui coule sur toi là. There's oil flowing on you. Je ne sais pas ce que tu demandes au Seigneur, mais l'exaucement est là. I don't know what you've been asking Alléluia, for to the Lord, but Seigneur, the answer to your prayers Alléluia. Is here. Magnifique Seigneur. Wonderful God. Ça va aller.
You'll be all right. Tu es une mère dans le royaume de Dieu. You are a mother in the kingdom of God. Alléluia. Une mère. A mother. Le Seigneur a vu, le Seigneur sait. The Lord saw. Oh, the Lord knows. Hey. C'est magnifique. It is wonderful. Ça va? Il y a quelqu'un en ligne, c'est qui? Allô, bonsoir. On a presque fini, vous inquiétez pas. Hello. Quelqu'un avec la statique, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Alors, vous appelez d'où? J'appelle de Lille Rose. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 4-5 mois à peu près que j'ai eu des douleurs. Donc, j'ai fait des examens, j'ai fait une radio, j'ai fait un scanner. Et au scanner, en fait, le nerf qui est pincé au niveau lombaire, en fait. Et du coup, le médecin m'a donné des traitements. J'ai suivi deux traitements qui n'ont pas marché. Et actuellement, je suis de la kiné. Je fais des séances de kiné. Tu peux te toucher là où tu as mal? Oui. Vous croyez que Dieu peut la guérir, là? Le Seigneur a dû quelqu'un chez hein, quelqu'un à la maison là-bas. The Lord saw someone in her house. Commandons à cette sciatique de sortir de son corps au nom de. Command this sciatic pain to come out of her body right bouge now. Bouge la jambe, là, bouge la jambe. Move your legs around. Allô. Allô. Marche. Walk on in the name of Jesus. Oui. Oui. Si je me tais. Merci Loïc. Waouh. Seigneur, merci pour ta main sur cette femme. Lord, thank you for your hand upon this. Sur ta fille. Woman for upon au nom your daughter de in the name of Jesus Christ of Nazareth. Merci pour ta présence dans sa vie. Thank you, Lord, for your presence in her life. Merci pour ton amour, Seigneur, thank dans you, sa Lord, vie. For your love in her au life. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Wow, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci. Thank you, Lord. Tu peux marcher? Can you walk around? Allô? Allô? Marche? Elle souffre, elle pleure. She's in pain, she's crying. Quand je trouve mon cœur, Seigneur. Je t'entends me parler. Ma sœur, tu es assise ou debout? My sister, are you seated or in an upright position? Tu es debout? I'm standing up. Est-ce que tu veux marcher avec moi là? Can you walk around with me? Allô? Allô, oui. Tu marches là? Oui, je marche. Tu veux courir? Oui. Can you run? Ah ben cours. Then run on. Quelqu'un souffre d'un cancer de côlon. Someone is suffering from Vous pensez que Dieu peut guérir la personne là? A cancer. Do you think the Lord is able to cure this person? Wow. Qui veut prendre son baptême? Who wants to get baptized Tu veux ton today? Baptême? Gloire à Dieu. Qui d'autre veut son baptême? Who else want to get baptized today? Alléluia. Tu veux ton baptême? Ah ben gloire à Dieu. Ben venez pour le baptême là. Alléluia. Gloire à Dieu. You may come forward. Venez. D'accord. Vous allez vous être baptisé au nom de Jésus. Alléluia. D'accord. Les démons là, ils sont chassés au nom de Jésus. Ouais. Oh ben ça. Ah, c'est pas normal ça. Ouais. Pas normal ça. Pas normal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Le baptême. Tu marches bien là. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va. Tu veux le baptême? Tu veux la prière? Tu as quel âge? Oh. Pourquoi tu veux la prière?
ton papa fait beaucoup de sorcellerie sur ta maman. Waouh, ta maman est où? Waouh. Jesus, sors, démon. Sors de ce corps, sors. Sors de ce corps au nom de Jésus de Nazareth. Quitte cet enfant-là. Vous voulez le baptême? Tu as jamais été baptisé? Que tu te fais baptiser autrement. Waouh. Eh bien, allez au baptême. Gloire à Dieu. Suivez Julien là-bas. Tu veux le baptême aussi? Eh bien, gloire à Dieu. Suivez Julien là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Can we all stand up, please? Seigneur, nous te bénissons. Lord, we bless your name. Nous te bénissons pour ta présence. We bless you, Lord, for your presence. Nous te bénissons pour toutes ces guérisons. We bless you, Lord, for all those healings. Il y a des personnes ici présentes qui sont abattues. There are people here, Lord, that are distraught. Et qui ont besoin d'être fortifiées. And that need to be strengthened. Des personnes qui sont découragées. People who are discouraged. Qui ont besoin d'être fortifiées. That need to be strengthened. Père, au nom de Jésus. Father God, in the name of Jesus. Il y a des personnes qui, que tu as appelées. There are people that you called. Mais qui fuient l'appel. But they run away from the calling. Le Seigneur veut vous renouveler. The Lord wants to renew you. Le Seigneur confirme l'appel qu'il a mis sur ta vie. The Lord is confirming the calling upon your life. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Toi qui fuis l'appel. You who is running away from the calling. Maintenant. Right now. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Oh Père. Father God. Toi qui pleures. You is crying. Toi qui souffres. You are in pain. Ah ben, Dieu t'expose à la souffrance parce qu'il t'appelle, ma sœur. The Lord is pulling you in this pain because he's calling you. Il te façonne. He is shaping you. Toi qui es venu ce soir. You came tonight. Tu voulais que Dieu te parle. You wanted the Lord to talk voilà, to you. Voilà, voici la réponse du Seigneur Here's à ta the answer of the Lord to your oh prayer. Dieu. Quelqu'un parle beaucoup au Seigneur pour son enfant. Someone prays a lot about for their children. Et bien, Dieu va changer cet enfant. The Lord will change Mais their toi, children. Fais confiance this, au Seigneur. This child. Oh, Père. Put your faith in the Lord. Dieu va rencontrer cet enfant. The Lord will Dieu encounter this child. Oh Dieu de gloire, aidez-moi ces personnes. Voici la présence de Dieu. Oh merci Seigneur mon Dieu. Thank you Jesus. Oh Seigneur merci.